Vous avez décidé de transformer votre vie, vous en avez marre de subir votre vie, vous voulez vivre une vie de choix. Vous vous êtes fixé un premier objectif, peut-être que ce premier objectif c'était le fait de transformer votre physique. Et donc cet objectif vous demandait d'aller à la salle de musculation et de faire attention à votre alimentation. Peut-être que votre objectif c'était d'augmenter votre cercle social et donc cet objectif vous demandait d'avoir de nouvelles activités, de rencontrer de nouvelles personnes et de socialiser avec ces nouvelles personnes de façon régulière. Ou alors peut-être que tout simplement cet objectif c'est de lancer un business en ligne et donc à ce moment-là ça demande de faire des vidéos régulièrement sur YouTube. Sauf que les résultats par rapport à cet objectif que vous êtes fixé ne suivent pas vraiment. Vous attendiez à ce que ce soit plus rapide, vous attendiez à avoir plus de résultats, vous attendiez finalement à ce que voilà, vous avanciez plus vite vers votre objectif. Et ce n'est pas le cas. Et peut-être que à cette sensation justement de ne pas vraiment avancer vers votre objectif, il y a quelque chose qui se rajoute et ce quelque chose c'est que vous avez l'impression que les autres progressent et progressent beaucoup plus rapidement que vous. Bref, vous posez des questions. Dans cette vidéo, je vais vous donner à la fois des clés pour comprendre très concrètement ce qui se passe et en même temps, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir littéralement muscler votre persévérance, devenir quelqu'un de persévérant, devenir quelqu'un qui ne lâche pas. Alors le premier concept dont je voudrais vous parler, c'est un concept qui est assez intéressant. Alors c'est un concept qu'on retrouve assez régulièrement. Je vais vous l'expliquer, je vais vous afficher un schéma juste après. Ce concept, c'est le concept de la vallée de la désillusion. Donc sous le nom de la vallée de la désillusion, on le retrouve dans le livre Atomic Habit de James Clear. On peut aussi le retrouver sous le nom du potentiel latent. Je ne sais pas si la traduction est très juste, mais c'est latent potential en anglais. On peut aussi le retrouver sous le nom du résultat décalé. Et donc l'idée est très simple, c'est que quand vous commencez à passer à l'action vers un objectif, en fait votre courbe de progression pendant un certain temps, un temps qui peut être plus ou moins long, est moins importante que la courbe de progression que vous pensez, que vous pensiez avoir. Et donc en fait ce décalage, je vais vous afficher un schéma pour bien comprendre, crée une sorte de vallée, crée une sorte de décalage entre les deux et c'est ça ce sentiment qui est extrêmement désagréable quand on se lance vers un objectif. Donc là je vous afficherai le schéma qui est indiqué sous le nom voilà, du plateau du potentiel latent, donc plateau of latent potential. Donc en fait vous voyez sur ce schéma, donc là moi je l'ai devant moi, normalement si tout va bien vous l'avez affiché à la vidéo, vous voyez en fait que ça fait une courbe et que d'un côté donc sur les ordonnées vous avez les résultats, sur les abscisses, donc les X, ça rappelle les cours de maths, le temps, la ligne horizontale, donc, et vous avez en fait, premièrement, la première courbe qui est une courbe rectiligne, qui est une courbe régulière, ce que vous pensez qui devrait arriver, et de l'autre côté, la courbe en dessous qui désigne plutôt une, enfin qui est plutôt une courbe de type effet cumulé, de type exponentiel, c'est en fait ce qui se passe réellement. Et vous voyez qu'en fait, pendant toute une période de temps, qui peut donc être plus ou moins longue, la courbe des résultats que vous avez actually happened, donc ce qui arrive en fait, ce qui arrive réellement, c'est moins important que en fait que votre projection de ce qui devrait se passer. Et donc ça crée cette vallée, ça crée ce décalage, et c'est ça qui en fait, qui donne cette sensation dans la réalité de quelque chose d'assez désagréable. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut impérativement continuer jusqu'à ce fameux point d'inflexion ou alors à ce moment-là, ça va totalement s'inverser. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui arrêtent systématiquement avant ce point d'inflexion et qui donc sont toujours, si vous voulez, un petit peu dans ce schéma où ils disent « mais je comprends pas, les autres réussissent, mais moi je ne réussis pas, je commence et puis je passe à un objectif, mais c'est toujours pareil ». Et en fait, les gens, et peut-être que c'est votre cas et c'est tout à fait normal, moi j'ai été dans ce cas-là, les gens qui font ça, c'est tout simplement parce qu'ils ne continuent pas assez longtemps, ils ne prennent pas d'action continue, évidemment une action continue, pas je commence, j'arrête, pendant suffisamment longtemps pour arriver à ce point d'inflexion où ça va réellement décoller. Donc ça c'est pour la partie compréhension. Donc maintenant on va voir comment on fait pour justement devenir cette personne persévérante. Je pense que la première chose vraiment à faire, la première chose vraiment à comprendre pour devenir une personne persévérante, c'est vraiment de se mettre dans la tête, mais de se visser dans la tête une bonne fois pour toutes que chaque action a de l'importance. Aujourd'hui, vous savez, il y a un grand problème, notamment sur Internet, on l'entend régulièrement, c'est cette petite musique qui revient
C'est surtout le cas dans le monde francophone, beaucoup moins dans le monde américain, dans le monde anglo-saxon. Cette petite musique qui revient que finalement, si on ne prend pas des très bonnes actions, des actions ultra optimisées, ça ne sert pas à grand chose finalement. Et c'est totalement faux. C'est-à-dire que chaque action compte, chaque action va s'accumuler. Vous retrouverez toujours, toujours ce que vous avez fait, même si c'est pas ultra optimisé. Il faut vraiment avoir dans votre tête cette notion que les actions sont stockées. Quelques exemples, la musculation. La musculation, c'est un excellent exemple. Vous pouvez peut-être faire un an de musculation sans que ce soit tellement optimisé, mais il y a une mémoire musculaire. Et quand vous allez commencer réellement à le faire d'une façon optimisée, vous n'aurez pas perdu tout ce temps. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, sur les langues étrangères. Il y a un truc qui est, voilà, sur les langues étrangères, c'est assez intéressant aussi parce que chaque chose que vous faites est stockée. Moi, je vous donne mon exemple précis. J'étais à l'école pendant enfin, toute ma scolarité, donc jusqu'à après la terminale, hein, quand je faisais de l'anglais à l'école, donc enfin, jusqu'à la terminale. J'étais nul en anglais. C'est très très nul hein, parce que le niveau en France en anglais est assez bas. J'avais 6 de moyenne en terminale et j'ai eu 12 au bac. Je sais pas comment, mais enfin voilà, j'ai eu 12 au bac. Tout ça pour vous dire que je n'aimais pas, j'avais l'impression de perdre mon temps. Donc vraiment, je considérais vraiment ces heures d'anglais. Je crois que j'avais 3 heures ou 4 heures d'anglais par semaine en fin de scolarité et je considérais vraiment ça comme une perte de temps. Mais si vous voulez, en fait, quand j'ai commencé à me dire « Ok, je vais apprendre l'anglais », finalement, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai plus dû étudier l'anglais, j'ai plus dû étudier la grammaire et surtout, j'ai plus dû étudier le vocabulaire. C'est-à-dire que je me suis quelque part contenté de regarder des séries en anglais et de commencer à parler en anglais avec un ami qui parlait anglais, qui parlait bien anglais et ça a suffi parce que j'avais déjà toute la base nécessaire de mots de vocabulaire. En fait, je me suis rendu compte que toutes ces années passées n'avaient pas été inutiles parce que j'avais peut-être 700, 800, 900 mots d'anglais que je connaissais déjà à force, vous savez, même si on va là d'être en classe et de retenir les mots. Donc oui, c'est mieux d'agir de façon optimisée, évidemment que c'est mieux d'agir de façon optimisée, mais en premier lieu, ce qui compte, c'est d'agir et d'avoir, surtout pour devenir persévérant, pour devenir quelqu'un qui continue, il faut avoir ce mindset dans votre tête que toutes les actions sont stockées. Et ensuite, troisième point, pour devenir quelqu'un de persévérant, concentrez-vous sur des instruments de mesure court terme qui vont vous donner de la satisfaction sur le court terme et non pas sur des instruments de mesure long terme qui, eux, sur le court terme, ne vont pas justement vous donner de la satisfaction et vont vous donner plutôt cette impression de déception. Alors, je parle souvent de la mesure. Pourquoi je parle de la mesure? Parce que il n'y a rien de mieux, en fait, en tant qu'être humain pour être persévérant de voir tout simplement qu'on avance concrètement. Si vous voulez devenir persévérant, si vous voulez devenir quelqu'un qui continue, le mieux, c'est de voir que vous avancez. Sauf que la plupart des gens se concentrent sur une mesure qui va les faire douter, qui va les démotiver. Il y a deux types d'instruments de mesure, les instruments de mesure court terme que vous voyez évoluer jour par jour, comme je vous disais, les instruments de mesure moyen long terme que vous allez voir évoluer sur 90 jours, sur 180 jours. Donc au quotidien, vous devez baser votre mesure sur les instruments court terme. Et les instruments court terme, les instruments de mesure court terme sont basés sur les actions. Par exemple, en musculation, est-ce que mon entraînement, je le fais? Est-ce que ma diète, je la tiens? Par exemple, pour l'apprentissage d'une langue étrangère, est-ce que je travaille ma grammaire? Est-ce que j'apprends mes mots de vocabulaire? Est-ce que j'ai des conversations? Est-ce que je fais mon cours d'anglais avec une personne avec qui je peux parler anglais? Ça, c'est des instruments de mesure court terme. Et tous les 90 jours, tous les 180 jours, vous allez pouvoir regarder les instruments de mesure plus moyen, plus long terme. Est-ce que je progresse sur les photos en musculation? Je me filme en train de parler anglais. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que ma conversation est plus liée? Et ça, c'est vraiment la clé finale, c'est-à-dire l'inversion du processus. Parce que la plupart des gens, comme je vous disais, se concentrent uniquement sur les instruments de mesure moyen long terme qui ne sont pas basés sur leurs actions. Et donc au quotidien, ils se mettent la pression là-dessus en se disant « j'ai pas suffisamment de résultats, j'ai pas suffisamment de résultats, j'ai pas suffisamment de résultats » et forcément, ça les démotive et forcément, ça joue sur leur capacité à agir, ça joue sur leur persévérance. Alors que si vous vous concentrez, si vous inversez le processus et qu'au quotidien, vous vous concentrez sur les instruments de mesure court terme, vous voyez que vous avancez. Donc vraiment, inversez le processus, faites différemment de la plupart des gens et soyez, encore une fois, soyez exigeant avec vous sur le court terme et souple sur le moyen terme. L'inverse, encore une fois, de la plupart des gens. La plupart des gens, ils sont souples avec eux sur le court terme, ils sont souples avec eux sur le quotidien. Ah bah, si je le fais pas aujourd'hui, c'est pas grave. Si je prends 2 semaines de vacances ou 2 semaines de pause, c'est pas grave. Par contre, ils sont exigeants avec eux sur le moyen terme. Au bout de 90 jours, au bout de 6 mois, quand ils ont pas de résultat, ils sont là, mais j'ai pas de résultat, mais pourquoi? C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est être
exigeant avec soi sur le court terme. Au quotidien, j'agis 30 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 1 heure, mais je le fais au quotidien. Je suis exigeant avec moi au quotidien. En revanche, sur le moyen terme, 90 jours, 180 jours, si j'ai pas de résultat, c'est pas grave, je continue, ça va arriver. Je suis beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible sur le moyen terme. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation, les instruments de mesure du succès, qui est une grande formation sur la mesure. Donc en fait, cette formation, je vous donne l'outil que j'utilise pour mesurer différentes variables, ce que j'appelle les variables du succès dans ma vie. Et en fait, cette formation, je vous donne l'outil au format Excel, vous allez y accéder gratuitement. Et en fait, je vous explique chacune des variables, comment les utiliser, pourquoi ces variables sont importantes. Donc, si ça vous intéresse, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Vous pouvez accéder à cette formation. Je vous laisse regarder ça, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.